tous, bonjour tout le monde, on se retrouve avec Giovanni, Mélina, Cassandra et moi. Donc on est ensemble en forêt et on a eu une énorme surprise, enfin c'est pas une surprise cool, c'est une surprise flippante. On a trouvé une grenade dans un arbre dans la forêt. On va vous montrer ça, on va pas trop s'approcher parce que c'est une grenade quand même. Donc voilà, c'est bien une grenade, on voit bien le truc qui enclenche là. Et là un gros truc. Une goupille. Voilà, une goupille. Donc on va pas s'approcher, on l'a trouvé dans ce creux d'arbre là où on cherchait des objets. Bon, c'est pas la première fois qu'on trouve une grenade, hein. On en a déjà trouvé une autre fois. Mais ouais, là, fois, vu que j'avais mon téléphone, j'ai voulu en prendre une. Donc on va éviter de s'approcher parce que c'est quand même une grenade, ça peut exploser à tout moment. C'est une vieille grenade bien rouillée. Donc voilà, on a trouvé une grenade. Donc bon, on a appelé la police de quelque part, parce qu'on va pas vous dire. Hein. On a appelé la police pour savoir... Si c'était vraiment une grenade, ils pouvaient venir pour peut-être jeter un œil. Ils nous ont donné le numéro d'une autre gendarmerie. Qui nous a pas répondu. Ils nous ont pas répondu la première fois, mais ils ont répondu la deuxième fois. Et ils nous ont dit qu'il fallait appeler la mairie de notre village, parce que c'était eux qui s'occupaient de ça. Alors, franchement, je vois pas comment un maire peut s'occuper d'une grenade, franchement. Je pensais que la police allait venir, vous voyez, mais... on dirait qu'ils sont occupés avec les gilets jaunes. Mais bon. Là, on va essayer d'en retrouver des autres. On va trouver, on va chercher ce qu'on peut trouver. Mais voilà, c'est vraiment très dangereux. Donc, si vous trouvez une grenade, ne la touchez pas. Et appelez directement la police qui va vous mener vers un petit chemin pour faire quelque chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à me partager votre avis en commentaire. Salut tout le monde!